pour mon unboxing du mois de novembre. 1, 2, 3, come on girl. Je n'ai que la Glossy Box à vous présenter et heureusement qu'elle est là parce que c'est elle que je paye. Les autres c'est que des partenariats. Normalement je reçois la Emma et Chloé, mais je la reçois toujours vers la fin du mois. Je sais pas pourquoi, à chaque fois ils me disent qu'ils ont des soucis de livraison, de retard, ce genre de choses. Donc si je la reçois, je vous ferai un petit article sur le blog comme d'habitude et je vous la montrerai dans ma vidéo achat et partenariat du mois de novembre que j'ai toujours à la fin du mois. Deuxième petite chose, je vais arrêter de vous dire les contenants et les prix de tous les produits parce que je trouve que c'est une perte de temps, c'est pas forcément intéressant. Si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voulez savoir si la box est vraiment rentable, ou alors il y a un produit qui vous intéresse et que vous voulez l'acheter, je vous mets en barre d'infos l'article parce que pour mes abonnés je fais toujours des articles sur le blog parce que j'ai des personnes qui préfèrent lire que regarder la télé. Donc je référencie tout et je vous mets en barre d'infos les produits si vous voulez les acheter. Voilà, mes barres d'infos sont toujours extrêmement remplies. Je vous fais toujours une petite recherche des produits pour que ce soit un peu moins cher pour vous et vous puissiez plus facilement acheter. Je crois que j'ai tout dit. Je vous référencie aussi toutes les box que je suis susceptible de recevoir avec tous mes codes promo. Parce que je trouve avec les fêtes ça peut être des beaux cadeaux. Vous pouvez acheter des abonnements 3 mois à offrir ou même vous demander ce genre de cadeau qui fait toujours plaisir je trouve. Alors le design de cette box que vous avez sûrement déjà vu et que vous avez dû voir dans ma miniature, le voici. C'est hideux, franchement, je l'avais vu dans le Glossy Mag d'octobre qu'elle était comme ça, j'espérais juste qu'elle ne soit pas vraiment comme ça, que c'est peut-être une édition limitée, mais j'aime pas du tout. Le vert et le doré ne me gênent pas, je trouve ça sympa, ça fait les fêtes et tout ça, mais c'est ça que j'aime pas, l'espèce de damier, je sais pas quoi. Alors après c'est Jonac qui l'a designé, donc c'est peut-être une caractéristique typique de Jonac, j'en sais rien, mais moi j'aime pas du tout et je préfère même avoir les Glossy Box roses que je n'aime pas chaque mois que je vous le dis parce que je n'aime pas le rose. Donc voilà, bon peut-être que certaines ça leur plairont, hein, ce que je peux comprendre, mais moi j'aime pas du tout. Le thème de ce mois-ci c'est Belle de la tête aux pieds. Et pour faire référence aux pieds, ils nous ont juste mis un petit goodies, ils nous ont pas mis spécialement de produit. Ils nous ont mis un petit lacet de la marque Jonac que vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser en tant que lacet. Je sais même pas si on a deux parce que là je vois debout, bon, je vais pas le sortir. Vous pouvez aussi utiliser en forme de bandeau, de ceinture, de guirlande de Noël, j'en sais rien. Moi je vais pas l'utiliser parce que je suis pas fan du doré, je préfère l'argenté. Je vais le donner à ma mamie qui fait plein de petites choses de ses petites mains, la Colette, et qui sera très contente d'avoir ce genre de petites choses. Mais je trouve ça dommage qu'ils ne l'ont pas remplacé par un vrai produit pour les pieds comme une crème, un gommage, un vernis, et qu'ils nous ont juste mis ça. Ensuite, nous avons un lait démaquillant de chez Unami. J'aime pas les laits démaquillants, mais c'est surtout parce que c'est pas adapté à ma peau. J'ai une peau mixte à imperfection et pour moi les laits démaquillants c'est ce qu'il y a de plus adapté pour les peaux sèches. Donc je suis déçue, je vais le tester pour vous en dire ce que j'en pense, s'il démaquille bien, ce genre de choses. Mais je suis déçue parce que c'est un produit que je vais pas pouvoir utiliser. Et je pense que toutes les peaux mixtes à grasse on va pas les utiliser. Donc moi je redonnerai à ma maman, je testerai, je vous en dirai dans des nouvelles dans un produit terminé, même s'il ne sera pas terminé. Et je donnerai à ma maman qui elle a une peau sèche et qui n'utilise que ce genre de produit parce que les eaux micellaires pour elle c'est un peu trop agressif. Ensuite nous avons un masque de chez Aussi, c'est le 3 minutes Miracle Reconstructor, souplesse et brillance. Donc ça c'est très sympa. Par contre moi je vous ai déjà fait un article sur la marque Aussi, je n'aime pas leur après shampoing. Vous l'utilisez une fois, vous en êtes ravis, vous avez des cheveux magnifiques. Vous l'utilisez une deuxième fois, ouais c'est encore bien. Mais après en fait vous vous rendez compte que vos cheveux deviennent de plus en plus secs. Et en fait c'est à cause de ça. Moi pendant longtemps j'ai acheté cette marque, j'en étais ravie. Et après je me plinais tout le temps que j'avais les cheveux comme de la paille. En plus j'ai les cheveux fins. Voilà, ça faisait de la paille et au final ça vient de cela. Je vous renvoie vers mon article que je vous mettrai en barre d'infos. Mais clairement ça moi je vais le donner à Flora ou à ma soeur, à quelqu'un que ça ne gêne pas. Mais moi je n'aime vraiment pas ces produits. Ensuite on a un masque apaisant de chez Aven en petit format qui est pour peau sensible. Encore une fois c'est pas adapté à ma peau. Moi clairement je vais même pas le tester parce que des masques j'en ai à foison. Et des masques apaisants j'en ai pas besoin, apaisant, hydratant, je n'en ai pas besoin. Après sous forme de masque c'est moins gênant parce qu'on peut quand même les utiliser, ça fait jamais de mal. Mais voilà, je vais encore le donner parce que j'ai même pas envie d'essayer ce genre de petits produits vu que j'en ai à la pelle. Ensuite j'ai un petit rouge à lèvres de la marque MDM Flow. C'est la teinte Vamp, c'est celui que j'ai mis sur les lèvres pour vous montrer un peu. Il n'est pas hyper pigmenté, il a un fini un peu
lumineux, enfin lumineux, mais il n'y a pas il y a un fini satiné, on va dire ça comme ça, je pense que vous comprenez, il est pas mat. Par contre, je sais pas si vous allez voir, mais quand je l'ai ouvert, voilà, le truc s'était barré, il était tombé par terre. Je trouve ça dommage parce que je trouve que la teinte est vraiment très jolie, le packaging aussi, mais ça a pas l'air de l'extrême bonne qualité. Je sais pas le prix de cette petite chose, je le mettrai sur le blog, mais j'espère que ça coûte pas une blinde parce que franchement, avoir le raisin qui tient pas du tout, alors je vous dis peut-être qu'avec le froid ça s'est décollé ou quoi, mais c'est pas cool quoi. Et pour finir, on a un petit crayon de chez De Bruyère Paris. C'est un crayon yeux irisé, la teinte c'est Bubble 707 je pense. J'ai même pas vu la teinte. Waouh, la teinte est canon. Je sais pas si vous verrez, c'est un espèce de marron violacé satiné. Il est canon, je pense que ça je vais utiliser. J'en ai plein des crayons comme ça, je pense jamais à les utiliser. Donc si vous voulez même un petit make-up avec ça, je peux vous en faire un avec plaisir. Mais ça franchement c'est hyper sympa, je connaissais pas cette marque, donc franchement je suis ravie de l'avoir dans la petite box. Et c'est tout pour cette box. Donc conclusion, j'aime pas le design de la box, ça vous l'aurez compris, mais ça après c'est affaire de goût. Au niveau du thème, je trouve ça dommage qu'ils ont pas fait assez référence au niveau des pieds, mais après c'est vraiment bien d'avoir une participation avec Jonac. Moi Jonac c'est une marque que je connaissais juste de nom, et au final je crois que c'est une marque de chaussures si j'ai bien tout compris et bien tout lu dans mon petit mag. Ce que j'aime pas en fait, c'est que quand vous regardez le mag, vous avez 5 produits qui sont listés dans le mag en fait, et quand il y a plusieurs produits en fonction des types de peau, des types de cheveux, ce genre de choses, vous avez tout qui est référencé dans le mag. Et en fait là ça veut dire qu'ils ont envoyé les 5 mêmes produits à tout le monde. Vous allez me confirmer ou non dans les commentaires, comme toujours on échange entre filles ce qu'on pense de la box. Donc je trouve ça dommage parce qu'au final c'est pas du tout adapté au type de peau. Et moi clairement là, bah il y a 2 produits que je vais pas utiliser. Encore le masque ça va, mais les démaquillants, clairement je sais pertinemment que je vais pas aimer. J'ai essayé la dernière fois, j'aime pas. Le masque aussi ça c'est affaire de goût, moi j'aime pas du tout, mais je pense que ça en ravira plusieurs. Le rouge à lèvres pareil, c'est dommage, il est très beau, mais au niveau de la qualité ça a l'air d'être pas trop ça. Par contre ça, le crayon, moi, je suis complètement fan. Donc voilà, avis très très mitigé sur cette box. Je trouve ça dommage parce que le mois prochain c'est décembre, je sais plus c'est quoi le thème, je vais vous le dire. Le mois prochain c'est décembre, mais je me dis les gens qui voient cette box, pour moi ça me donne pas vraiment envie de m'abonner. Et je dis pour ceux qui recherchent peut-être des cadeaux, et ben ça va peut-être pas forcément envie de les faire s'abonner. Je trouve ça un peu dommage. Dans la box de décembre, il nous annonce du Too Faced et du Saval d'Or d'Ali. Il parle aussi qu'il y a un calendrier de l'Avent. J'ai vu que certaines youtubeuses l'avaient reçu avec plein de grandes marques. Et je crois qu'il a 69€, quelque chose comme ça, pour les abonnés. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte d'avoir celle de décembre. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, pareil, comme toujours, à me dire ce que vous avez reçu dans votre box, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Enfin bref, comme toujours, je retrouve toujours les mêmes sous ce genre de vidéos. Et j'adore, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.